told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far it's taken for... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, ça caille! Dis donc, il fait froid là. On va devoir remettre le bonnet, hein. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va parler porte-vélo. Voilà, on va faire deux vidéos normalement sur la construction du porte-moto et du porte-vélo. Et ça va quasiment boucler la saison de comment aménager un bus en camping-car. Là, on retourne dans ces épisodes, dans les derniers épisodes où il y aura porte-moto, porte-vélo et ensuite tous les profilés qui vont venir finir les panneaux extérieurs, les panneaux en bois qu'on a mis, vous savez, pour cacher les fenêtres. Et voilà, donc il y aura à peu près encore 3 épisodes et après ça sera la fin de cette saison de comment aménager un bus en camping-car. Voilà, donc je vous explique vite fait et puis après on va se retrouver à l'entreprise. Donc j'ai demandé si je pouvais me garer sur leur parking pour pouvoir fabriquer directement mon porte-vélo. Ça sera bien plus simple que de faire des allers-retours en voiture. Comme là le bus il peut rouler tout ça. Voilà, donc c'est ok, il n'y a pas de souci, donc on va y aller après. Voilà, c'est parti, rendez-vous à l'entreprise, à tout de suite. J'ai deux petits renforts. Voilà. Pour éviter que ça tombe au cas où. On va donner ça. Donc là, j'ai plus qu'à souder. Ce qui est bien, c'est que je vais souder ça avec des machines pro. Là, ça va être trop bien. Voilà, alors ça, c'est une soudure que j'ai essayé de faire avec les postes SMI, c'est ça qu'on dit ? Je suis pas habitué, moi. Je suis habitué à mon poste à l'arc. J'arrive à faire des belles soudures. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop dur. Et là, je vais vous faire une soudure de. Le professionnel, voilà, ça c'est la soudure du professionnel. Vous avez vu la différence? Ouais, je vais réussir, hein. Je vais m'en sortir, je pense. Mais j'avoue, c'est pas évident. Quand on est habitué avec un matériel, là c'est pas évident. Voilà ce que ça va donner. C'est pas fini, mais ça va donner ça. Bon alors, où est-ce que nous en sommes? Vous voyez, j'ai fait les deux équerres et je vous ai fait voir tout à l'heure, il y a les rails qui vont venir réunir ces équerres. Il me reste un renfort à faire ici, tout au bout, un renfort pour pas que ça fasse voilà deux équerres qui soient saillantes sur la route. Un renfort ici, un renfort en haut juste au haut de la fenêtre qui va réunir les deux. I'm confident your love will be my sight. Just one looking at you open up my eyes. And I'll stay with you forever all the time. And I'm stepping out to leave it all behind. I'm confident your love will be my sight. Hold out your hand, hold out your hand. Bon, et bien voilà, la journée se termine. On va pas tarder à y aller. On reviendra demain. Voilà, donc le cadre est là. L'idée c'est ça. C'est vraiment. En fait, je l'ai fait en un seul bloc du coup. Voilà. Je l'ai fait en un seul bloc, ça doit peser environ, je sais pas, 15 kg. Voilà, donc c'est hyper costaud. Par contre, j'ai des problèmes d'ajustement avec mes pattes là-haut. Oui, t'as besoin de moi. Et c'est, je voulais pas faire comme ça, mais j'ai refait comme ça. Donc voilà, Charlotte, elle va m'aider, voir si on peut le monter. Et je dois, à mon avis, redresser ici avec une grosse sangle de camionneur, vous savez, une grosse sangle de... Ah ouais, ce que j'ai vu, ouais. Ça, ouais, ouais, donc je vais redresser, mais avant, faut le mettre en haut pour voir. Voilà, allez hop, c'est parti. Things coming, part of your plan, step up in your life. I see you're the one I want. The love that you were giving is salvation. You will keep me moving if I'm patient. I just wanna give out to the reason. You love me so I could have been complacent. Not afraid. Il est encore tordu, c'est pas possible. T'as vu, il est pas tout à fait d'équerre. Dans 20 minutes, faut partir. C'est chiant. Ah ouais, il n'est pas d'équerre. Si vous regardez, il penche par là. Pourtant, j'ai tout redécoupé. J'ai tout redécoupé les petits carrés. Je les ai remis tout ça. Et c'est toujours pareil. Ça, c'est dingue. C'est un truc de fou, ça. Il est un petit peu tordu. J'ai quoi? J'ai...
J'ai même pas 5 mm. Ça va me tracasser 5 mm. Ouais. Comment faire? J'ai pas beaucoup de marge. Eh ben, ça va rester comme ça. C'est fait exprès, c'est pour évacuer l'eau qui sera sur les rails, vous savez. Et je fais exprès de faire une petite pente. C'est parce qu'avant j'étais dans le TP, donc vous comprenez, j'ai fait une petite pente quoi. on va dire ça comme ça. Non, il n'y a pas grand chose, ça va. Quand il y aura les vélos dessus, je pense que ça se verra plus. Hein? Allez, à tout à l'heure. Cette place là. Si c'est pas trop mignon, ça en finit une journée de boulot. Et j'ai un frère de cheveux qui vient des Vosges et qui est venu nous dire bonjour avec son camping-car Hammer Weekend. Avec un petit panier gourmand et tout. Wow. C'est trop bien ça. Ça pour finir une ça, bonne journée. Il n'y a rien de tel. Non, c'est marqué Jérémy. Ça, moi, il a donné. Oui, c'est vrai, j'ai donné à Jérémy. Le premier qui était sorti. Hein. Excellent. Je vais rouler dans un camping-car américain. Et regardez la classe. Regardez les fauteuils. On se croirait. Dans un salon quoi, c'est dingue. Je voulais dire on se croirait chez Pépé, mais en fait les gens ils vont encore dire. Voilà, on se croirait chez grand-mère dans le temps, regardez. Les gros canapés avec des gros accoudoirs, c'est excellent, c'est confortable, on est écrasé dedans. Enfin, c'est génial, on se croirait dans les années 80 aux États-Unis là. Ça va me faire bizarre de rouler avec une boîte auto, mais ça faisait longtemps que je voulais en essayer. C'est dingue, c'est un moteur Ford. Et il est de quelle année le camping-car? 94. Ah ouais, il est pas si vieux que ça. 10 mètres. 10 mètres il fait. 170 chevaux avec un moteur Ford, 6 litres de cylindrée. C'est une 3 vitesses la boîte? Oui, mais c'est comme c'est un automatique, on met sur drive, puis il y a... Ouais, mais tu sens, il y en a combien qui passent? 1, 2, 3, 4... Ah non, 4 5 ou 6. Ah ouais, t'as quand même 5 vitesses. 5, je crois. Allez, je vais essayer ça, le délire. Oh, le délire, et regardez ça. C'est dingue, hein. Moi, ça me fait triper. Regardez les boutons. Oh là là. C'est marrant, parce que ceux-là, tu les as changés, les boutons, on dirait qu'ils sont récents. Non, j'ai rien touché. Ah oui, ils sont d'origine, tu crois? Oui, oui, oui. Enfin, mais c'est marrant, parce que ça fait vraiment vintage. Ouais. Et là, non, beaucoup moins. Bah, de l'autre côté, c'est les mêmes, donc je pense que... Ça, c'est d'origine, tous ces petits rangements-là? Oui, oui, j'ai juste repeint. À l'époque, ils savaient déjà qu'il allait avoir des smartphones, sauf en fait. Qu'il y avait de la moquette rose, comme là-bas, dans le coin, ah partout. Ouais, la moquette là-bas, là. Partout, oh, c'est dingue. Au sol et tout. Regardez ça, le fauteuil, regardez ça. Oh, c'est excellent. Caméra de recul. Oh la vache. Oh là là. Un ancêtre de la caméra de recul, eh, ça a l'air de bien fonctionner. Allez, c'est bien. Voilà. Ah bah ouais, c'est clair. Allez. C'est vachement souple. Oh, c'est dingue. Le pare-brise, il fait tout petit. Du coup, on a l'impression que c'est une navette spatiale. Hein? Ouais. Mon pare-brise, il est deux fois plus haut, quoi. C'est dingue. En fait, ça gêne pas, un petit pare-brise. Non. Bah non, tant qu'on voit. Et donc, tu as eu peur de consommer au final, bonne surprise. Ouais. Quoi. 25 litres. Parce que j'ai quand même fait la première sortie avec. Quand il a réussi à la remettre en route, je suis allé à Paris avec. Ouais. Et j'ai cassé le radiateur, des durites. Ah mince. Il n'avait pas roulé depuis 8 ans. Donc, ouais. Parce qu'en fin de compte, là, c'était la pompe de gavage à 20 € sur Internet. Et là, il va passer la vitesse ouais, tout seul. Normalement, mais par contre, il faut l'amener dans les tours. Ah, il faut le monter un peu ouais. Plus loin. Ah, c'est vrai, on a ouais. 2000 tours. C'est énorme. Ouais, je trouve qu'elle va loin pour les passer. T'es pas en mode sport? Non, bah j'ai pas trouvé. Après peut-être que je sais pas. Oh la vache. Papa, c'est comment? Oui. C'est étrange. Ça fait bizarre. Ouais, je suis concentré. Bah ouais, là, il y a un petit peu de jeu dans la direction. En train de déballer le petit colis et tout. Et là, regardez, on pensait que c'était du rosé, mais en fait, ils nous connaissent bien, nos bandits. C'est une boisson à la rhubarbe des Vosges. Parce qu'en fait, monsieur, c'est un Vosgien qui est venu nous voir. Bien le bonjour chez vous. Voilà, ça y est, nous sommes deuxième jour des travaux. Le porte-vélo est parti en peinture. Donc, j'ai un tout petit défaut d'ajustement là-haut. Ouais, je vais avoir quelques millimètres de décalage. Il sera plus penché d'un côté que de l'autre. Du coup j'ai dit vas-y on laisse comme ça. On a laissé, ouais, ça se voit pas, c'est pas énorme. Mais ouais c'était pas évident à faire quand même. Hein. Là j'avoue, aligner les quatre plots avec ces quatre petites pattes là-haut, c'était pas évident. Enfin bon, il est parti en peinture, les rails tout est prêt, voilà donc je pense qu'en fin de journée je pourrais le monter. Ou demain si la peinture n'est pas sèche. Là je démonte les trois petits bouts de pare-choc et je regarde comment je vais faire pour le porte-moto, où est-ce que je vais me reprendre pour faire quelque chose de costaud.
et léger et simple. Voilà. Alors voilà comment se présente la bête. Donc j'ai enlevé le pare-choc, un petit peu galère à enlever d'ailleurs le milieu. Donc alors on va avoir ici le support principal. Ça va être une grosse plaque assez épaisse, d'accord, avec 4 trous. De là va sortir un rectangle. C'est lui, ça sera la pièce maîtresse, on va dire. D'accord? De chaque côté, là-bas, je vais faire 2 petites plaques. À distance égale, hein, 2 petites plaques qui vont avec un rectangle dedans. D'accord? Un rectangle un peu plus gros. Et là, viendront s'emboîter dedans 2 petits rectangles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la pièce maîtresse sera là. Elle ne va pas bouger, elle sera toujours fixe. Et j'aurai dessus, sur le porte-moto, j'aurai les 2 petits rectangles qui viendront s'emboîter. Ce qui fait que je pourrai le démonter grâce aux 4 boulons ici. Et les 2 petits triangles ici servent uniquement de renfort pour éviter qu'il y ait du ballon sur les côtés. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien été clair, mais vous allez voir quand ça va commencer à se construire. Bon, Jérémy, réfléchis. Là, j'ai un gros dilemme qui se pose à moi. Je suis en train de fabriquer un porte-moto, alors que j'ai pas de moto. Ouais, je sais, vous allez rigoler. Et en fait, je voulais bien faire. Je me suis dit, oui, fabrique ton porte-moto, ton porte-vélo, comme ça, tu seras tranquille. Mais je me dis, là, on va aller en Espagne et au Portugal. Environ 2, 3, voire 4 mois. Jusqu'en février, ça serait bien. Je vais pas avoir de moto et j'en ai pas l'utilité puisque j'ai une mobylette. Ça sert à rien d'aller acheter une moto alors que j'ai une mobylette. La mobylette, je vais pas la mettre ici parce qu'elle est très bien intégrée dans les soutes. Au moins, il n'y a personne qui la voit et en plus, elle est protégée des intempéries. Sachant que derrière, les intempéries, ça morfe quoi. Il y a pas mal d'intempéries. Quand on roule et qu'il pleut derrière, ça prend toute la merde. Donc, elle est très bien où elle est. Et ben voilà, le gros dilemme, c'est ça. Est-ce que tu es en train de faire un truc qui va pas te servir? Si jamais je pars au Portugal et que j'ai mon porte-moto, je vais pas le prendre à vide. Forcément, je vais le laisser chez quelqu'un et ça sert à rien de le laisser chez quelqu'un. Et là, c'est marrant parce que j'ai été voir, c'est pas des anciens, mais deux nouveaux anciens, je sais pas comment on dit, 2 jeunes anciens de la boîte. Et je leur ai demandé leur avis. Ils m'ont dit, il y en a un qui m'a dit, dans la vie, on fabrique toujours ce dont on a besoin. Si tu n'as pas besoin, tu n'achètes pas, tu ne fabriques pas, tu le feras quand on aura besoin. Ah, je fais, c'est pas bête ce que tu me dis, hein. C'est pas bête, mais en même temps, c'est tellement logique. Et voilà, donc du coup, j'ai un gros dilemme. Je ne sais pas quoi faire. Si jamais je ne fais pas de porte-moto, j'ai un autre dilemme. Mon porte-vélo là-haut, il est parti en peinture. Il y aura 6 vélos. Donc ça va dépasser de 1m20. Oui, je sais, on n'a pas le droit de dépasser plus de 12 mètres, ça, je m'en fiche. Ça, c'est une question de loi. Voilà. Il y a des camions qui ont le droit de rouler qui font 16m50. T'as des camions avec des grumes de bois qui ont le droit de rouler avec une grume qui dépasse de 2 mètres. Voilà. Niveau, ça n'a rien à voir niveau sécurité, c'est uniquement niveau législation. Donc niveau sécurité, je peux très bien avoir mon porte-vélo là-haut, ça ne change rien. J'aurai des panneaux de signalisation dessus pour bien dire qu'il est là, donc j'ai aucun souci là-dessus. Mais maintenant, je me pose la question, est-ce qu'il faut que je laisse là-haut tout seul? Ou est-ce qu'il faut que je fasse 3 et 3? C'est-à-dire que mon porte-vélo, là, je le coupe et je refais un système pour l'adapter ici. Comme ça, j'aurai 3 vélos en haut, 3 vélos en bas. L'avantage d'avoir 3 vélos en bas, 3 vélos en haut, c'est que je mets les vélos qu'on sert le plus souvent ici, donc c'est-à-dire les vélos des enfants. Comme ça, j'ai pas besoin d'échelle pour les enlever. C'est en fait... Et le deuxième avantage, c'est que du coup, je raccourcis mon derrière. Je serai à 60 cm en plus. Donc, c'est plus harmonieux. L'inconvénient, c'est que je risque plus de me faire voler mes vélos s'ils sont en bas. C'est qu'il faut que je fasse un système pour pouvoir ouvrir mon coffre. Et ouais, parce que j'ai besoin d'ouvrir mon coffre régulièrement, on sait jamais. Et donc voilà, donc c'est cet inconvénient-là. Si je laisse tous mes vélos là-haut, l'avantage, c'est qu'ils sont en haut. Et niveau vol, bah, je risque moins de me les faire voler. Déjà, c'est un peu plus délicat à voler. Je peux ouvrir mon coffre librement. J'ai rien qui me gêne à cet endroit-là. Si je dois faire de la mécanique ou autre, je suis vraiment libre. Voilà. Mon dilemme. On se retrouve ici, regardez. Je suis sous le lit est levé. C'est la toute première fois que j'enlève mon cache en stéro dur, mes planches de bois, tout ça.
Parce qu'en fait, j'ai tout remonté. Donc voilà, on fait plus de porte-moto pour l'instant. Voilà, on oublie le truc. J'ai tout remonté. J'ai réglé le pare-choc en plus parce qu'il n'était pas bien réglé. Donc j'ai tout réaligné, c'est nickel. Et là, je regardais le moteur. Et là, je sais pas, je regarde un truc et je vois. En fait, ouais, j'étais parti essayer avec une petite caméra d'inspection que j'avais achetée il y a longtemps, que je ne m'étais pas servi. Je suis parti regarder deux, trois trucs. Et là, j'ai vu une goutte verte qui coulait le long de la culasse, mais ça venait d'en haut, hein, plus du cache-culbuteur. Je dis mince, j'ai une petite fuite de liquide de refroidissement. Et j'arrive pas à voir. Donc là, je suis obligé d'enlever tout ce cache-là pour regarder le moteur. Donc ben là, je suis en train de démonter, tout ce qu'il faut. Vous voyez, c'est dingue, hein. Là, je suis dehors, je suis sous mon lit, j'ai accès à tout mon moteur et j'avais oublié que j'avais autant de place. C'est un truc de dingue, je vais bien pouvoir voir. Donc, vous voyez, la fuite, elle venait d'ici, là. Elle vient d'en dessous. Donc, je vais essayer de regarder. Ça vient de là, mais voilà, ça vient de ce cache-culbuteur ici, celui-là. Voilà, j'ai une petite goutte qui coulait comme ça jusqu'en dessous. Donc, ben, je vais regarder tout ça. On est en train d'essayer le moteur. Regardez, c'est excellent. On a trouvé la fuite. Max a trouvé la fuite. Un bandit, il vient souvent nous rendre visite et là il est venu, on va manger ensemble ce soir. Et du coup on a été roulé. Et je vais vous faire voir pourquoi on n'avait pas de puissance. Un truc de dingue, un truc de dingue. Voilà, on se retrouve et c'est un peu plus calme, voilà, avec José et Max, ouais, avec sa fille Orlane. T'as vu, j'ai retenu, hein, parce que Théo il t'aime bien, c'est pour Max ça. Et en fait, du coup, on a été essayé, du coup, je sais pas, t'as vu, j'ai dit, vas-y, tant que le moteur est tant que le capot est démonté, tu vas rouler, tu vas me dire ce que t'en penses, comme il est routier, et en plus, il a bien connu ces moteurs-là, et moi, je me suis mis derrière, vous avez vu, hein, et là, j'entendais, c'est pas normal, il y a de l'air qui se barre et tout. Du coup, je dis à Max, vas-y, arrête-toi. Il a réussi à s'arrêter sur le bord de la route et tout. Dans le noir. Dans le noir. Il est venu voir. Moi, j'ai roulé. Il me dit, franchement, ça durait quoi? Allez, 40 secondes. Ouais. J'ai trouvé 5 euros. Et puis là, on regarde. Enfin, du coup, il est venu me faire voir et tout. Et là, il y a la grosse durite principale de turbo. Et il y a une petite qui descend. Je sais pas trop à quoi sert celle-là. Enfin bref. Et là, elle est fendue sur au moins, franchement, 8-9 cm. Ouais. Et là, t'as tout l'air qui se barre. Pff, bah, le turbo, du coup, il peut pas monter en pression. C'est pour ça aussi que, du coup, la pompe injection, elle doit compenser. Et c'est pour ça que je consomme. Vrai ou faux? C'est logique. Peut-être? Voilà, c'est logique. La pompe à gazole compense. Compense pour avoir toute sa puissance. Même moi qui connais rien, j'aurais pu trouver. Non, mais là, franchement, c'est un truc de dingue. Et voilà, on n'aurait pas fait ces petites bricoles, on n'aurait pas ouvert le capot. Ça, on peut pas entendre le moteur quand on est devant. Donc on n'entend pas. C'est pénible, c'est ouais. Et donc du coup, bah, non, là, c'est là, génial d'avoir turbo, fait ça. Le turbo, tu vois bien qu'il soufflait fort. Hein. Et là, nous, quand on roulait devant, on entendait juste ce pshhh de l'air. Donc en puissance, c'est énorme là, ce qui se barre en puissance. On se rend pas compte. Mais si le moteur monte pas en pression, pas de puissance. Voilà. Et c'est trop cool. Donc on est super content. Il n'y a plus qu'à réparer. On fera ça demain matin, je pense, parce que là, le moteur va être chaud et tout. Puis j'ai un montage à faire. Voilà. Et on va dire au revoir à José. Il s'en va avec son camping-car américain. Merci bien de m'avoir fait un tour. De rien, de rien. C'était cool. Et puis ben voilà. Bah tant mieux, ça fait plaisir. Ouais, c'est super plaisir. À toi de voir si tu vas le réparer ou pas. Oui, bah, je vais finir voir ou pas. Voilà. Ta phrase m'a bien aidé. En fin de compte. C'est quoi? Eh ben le fait que soit j'investis dedans et ça vaut le coup. Soit ça coûte trop cher. Ouais, parce qu'il y a pas mal de bricoles à faire dessus. Donc, il savait pas si. Voilà, j'ai dit si vraiment t'es passionné de ton engin, refais-le. Ce qu'il voulait refaire un bus. Ou sinon, revends-le, refais un bus. C'est toi qui vois. Et là, il nous a commandé des petits mugs personnalisés. Vas-y, fais voir, chouchou. J'attendais, d'accord. Bon, bah là, c'est le tien, du coup. C'est bien José. Ils sont trop géants. Fais voir à la caméra. Je savais que ça allait lui plaire. Donc, avec le logo. Et son prénom. On voit pas trop avec les c'est normal, tourne, voilà. Voilà. José, excellent, voilà. C'est joli. C'est trop beau. Là par contre, les gens vont faire pareil maintenant. Eh ben enchanté d'avoir fait ta connaissance, ouais, hein, José, tout le temps qu'on devait se voir. On s'était vu au VDL. Moi je l'ai déjà. On s'était vu au VDL. Ouais. Voilà. C'est déjà comme ça. Allez, bye bye. Bah du coup la vidéo se termine, hein, voilà, on vous a tout dit.
On se donne rendez-vous samedi matin pour la prochaine vidéo. Et voilà. Bye bye. Bisous à tous. Allez, ciao. Ciao.